fu lor reconnaître. Les froids me pénètrent. Les froids me pénètrent. Laissez-moi l'interroger. À mon pouvoir vainqueur, cède de bonne grâce. Veuillez vous asseoir là, je suis assis. Quel âge avez-vous, je vous prie? Qui, moi? Je parle à votre enfant. Atelier! Quel âge? Répondez, je le veux. Le printemps de la vie. Voyons la main. Chut, laissez-moi compter. Dieu, suis-je le jouet de rêve? Est-ce un fantôme? Le coup est inégal et vif, mauvais symptôme. Chantez, oh non, et toi, ne la fais pas chanter. Voyez son front s'anime et son regard flamboie. Elle porte la main à son cœur agité. Me dit-il, il serait dommage, en vérité, de laisser à la mort une si belle proie. Tais-toi, si vous voulez accepter mon secours, si vous voulez sauver ses jours, j'ai là certains flacons que je tiens en réserve. Dis-toi, dont il faudrait. Dis-toi, je me préserve d'écouter tes conseils, misérable assassin. Dont il faudrait chaque matin. Et oui, je vous entends tout à l'heure, un instant des flacons pour vos pères, vous en serez, j'espère. Je vous entends.
Ne plichotez, hélas, comment obtenir d'elle un pareil sacrifice? Eh bien, mon père, qu'a-t-il dit? Ne me demande rien, plus tard tu sauras tout. Une roue de nouvelles s'ouvre à nous. Ô mon Antonia, pour m'y suivre, chasse de ta mémoire ces rêves d'avenir, de succès et de gloire, que ton cœur au mien confia. Mais toi-même, l'amour, tous les deux nous convient. Tout ce qui n'est pas toi n'est plus rien dans ma vie, dans ma vie. Tiens donc, voici maman. Ah, chère Antonia, pourrais-je reconnaître ce que tu fais pour moi? Ton père va peut-être revenir. Je te quitte, à demain.